la femme de ton frère qui est décédée, comme quand on fait boire les liquides de vérité, si la personne a menti, le ventre se gonfle, tout ça, qui se trouve dans la Bible. Les menstruations, la femme ne peut pas préparer. Quand elle accouche, il faut que la femme ne puisse pas préparer. Ça se trouve dans la loi de Moïse. Mais ces gens-là, quand ils ont quitté la Palestine, ils sont restés avec ces choses-là, mais tout est déculturé. Mais ils savaient qu'il y a un Dieu unique. Voilà pourquoi l'abbé Prayard ici dit que ces gens-là, ils ne sont pas polythéistes, ils sont monothéistes. Ils prient Nzambi. Et le discours du roi Léopold, il dit que vous n'allez pas apprendre Dieu chez ces gens-là. Ils le connaissent par leurs ancêtres. Maintenant, ce que tu dis là sur les déportés qui sont allés à Babylone, c'est une infime minorité qui est venue pour reconstruire le temple, ok? Et quand ils reviennent, la ville et le pays est déjà occupé par les Édomites. Alors, les Asmonéens, c'est-à-dire la lignée de Maccabée, font la guerre aux enfants Édomites. Ils ont fini par les vaincre. On les a contraints à la circoncision. Voilà comment Édom a été introduit à l'assemblée d'Israël. Et après, Édom a pris le pouvoir. D'où est sorti les Hérodes. Donc la majorité des sacrificateurs, les pharisiens du temps de Jésus, n'étaient pas des juifs purs. C'était des Édomites. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous avez pour père le diable. Parce que vous voulez accomplir les desseins de votre père parce qu'il a été meurtrier dès le départ. Voilà pourquoi il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Parce que Esaü est meurtrier. Je vous ai donné les versets qui parlent d'Édom. Vous allez voir sa nature, ce qu'il fait. Donc, vous voyez qu'après, Édom a récupéré la religion qu'on appelle le judaïsme, qu'on a mélangé avec les pratiques de la magie babylonienne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. C'est Jésus est venu trouver cette religion-là qu'il a fait la guerre. Paul combattait cette religion-là. Il a dit, vous avez pour père le diable. Mais ils appliquent ça parfois la loi, mais cette loi est appliquée aussi ici. Et c'est la colonisation qui est venue pour déraciner cela. Nous, nos ancêtres ne partaient pas le dimanche au champ, et pardon, ne partaient pas le samedi au champ. Le samedi, c'est le sabbat, là. Chez d'autres tribus comme chez nous, chez les Tékés, le Kouemba, tu vas au champ, tu meurs. Chez les Lemba, tu ne peux même pas avaler la salive. C'est le jour du jeûne. Mais on a imposé le christianisme colonial. On a dit samedi, vous allez au champ, c'est dimanche à l'église. Ce n'est pas par amour, c'est pour enlever les traces judaïsme. Ok? Ok. Non. Alors, nous acceptons, il y a une avant. On va continuer. La personne qui est là. Oui. J'ai vu des gens qui ont levé les mains. Il y a une personne ici, il y a une personne qui est sur voilà, c'est vous. Ça sera 4 questions. Et puis on va se reposer. Quand la pression est trop forte, on verra avec les conférenciers ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est l'avant-dernière question, c'est la dernière. Moi, Cécile, artiste chanteur, ma question est une question de précision. Votre discours émane de recherche. J'avais voulu comprendre. Est-ce de recherche chrétienne ou de recherche scientifique? C'est très important pour moi, parce que en fait, si ce sont de recherches chrétiennes, je dirais amen à l'éveil du monde. Par contre, si ce sont de recherches scientifiques et historiques, ça s'accompagne avec toutes les conséquences. Ok. Il y a quatre évangiles, okay. On peut les citer. Lesquels? Luc n'est pas un apôtre qu'on appelle Luc. Luc dit quoi?
plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et fine, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc ce sont des recherches prophétiques. Je suis croyant, moi je suis le docteur qui, moi je suis le docteur qui. Je crois que c'est clair. Avant de passer à la quatrième question, il y a des livres en vente ici, La Sentinelle à 5 dollars. Il y a un autre livre ici intitulé L'Afrique, la terre d'Éden à 15 000 francs. La quatrième question. Merci pour ma question est la suivante. À entendre les discours, la manière dont vous êtes en train d'exposer les événements, on est tout à fait convaincu. Mais il y a un côté que vous n'abordez pas, à moins que je puisse aller vite en maison. C'est le côté spirituel, le côté mystique. Parce que l'objectif à vous entendre, c'est pour que la conscience puisse être éclairée et que les Égyptiens, les Africains, les Juifs, les Gomo puissent commencer à inventer, qu'ils puissent faire beaucoup de choses. Parce que c'est justement. Un constat qui a été fait, il y a HDO qu'on nous enseigne dans les universités africaines, c'est HDO qu'on enseigne à Sorbonne par exemple, mais les étudiants de Sorbonne arrivent à inventer des choses, mais ceux qui étudient les mêmes formules ici, ils n'arrivent pas à inventer les choses. Et puis on dit que c'est parce que les étudiants africains n'atteignent pas la dimension spirituelle de la science qu'ils sont en train d'apprendre. Et si aussi on peut connaître toutes ces théories, comment nous sommes les Juifs d'Afrique, comment c'est nous les vrais Israélites, sans atteindre la dimension spirituelle qu'avaient ces anciens Juifs-là, comme le parchemin, les histoires qui font que l'homme puisse accéder à la spiritualité. Qu'est-ce que ces théories ces théories seront de quelle importance pour nous de les connaître sans atteindre la dimension spirituelle? Voilà un peu. Vous le recevez déjà avant qu'il rentre directement. Et puis, cette dernière question, on va arrêter. Et puis, pour qu'il revienne pour l'exposer. Ben, mon cher frère, je voudrais d'abord dire... Non, je pense que ça va passer. Je voudrais d'abord que mon frère sache une chose. À supposer que nous ne sommes pas venus avec ça, et que vous êtes resté avec votre foi que vous avez toujours eue. Donc vous êtes déjà dans la spiritualité, puisque vous poursuivez la spiritualité tous les dimanches. C'est ce que nous avons toujours fait, nous tous. On a poursuivi la spiritualité tous les dimanches depuis combien d'années? Et les églises, il y a des vieilles églises de peut-être plus de 150 ans, 200 ans qui sont dans ce pays, qui a produit des croyants qui sont nés et qui ont grandi dans cette foi, qui sont morts aujourd'hui et qui croient être spirituels. Est-ce que ce n'était pas suffisant? Maintenant, nous venons avec quelque chose de plus. N'est-ce pas? Et on parle de spiritualité, mais nous sommes dans la spiritualité. Dès lors que vous parlez de Dieu, vous êtes déjà dans la spiritualité. Je ne sais pas ce qu'on appelle encore spiritualité. Ou bien on attend qu'on fasse des miracles, mais le miracle n'est que le résultat ou la résultante de la théorie qu'on a d'abord apprise qui nous conduit jusqu'à la manifestation. Mais déjà, si le béaba, nous avons un problème avec le béaba, ce sera difficile pour nous d'atteindre cette manifestation qui nous met en connexion avec cette spiritualité qui sera la manifestation dont vous, vous, vous,
vous attendez, qui est le côté mystique, comme il a sorti le mot mystique, hein, le côté mystique. On commence par le même jour pour arriver au mystique. C'est comme un enfant qui naît aujourd'hui et vous voulez qu'il marche. C'est impossible. Nous sommes d'abord devant un blocage. Notre identité nous a été volée. Il y a une identité qui a été d'abord volée. Nous devons d'abord résoudre le problème de l'identité volée. Il y a quelqu'un, lui, qui a posé la question tout à l'heure ici, qu'il a comme l'impression que les Juifs qui sont en Israël, en Palestine, et ils pratiquent la Torah, et que nous, les Juifs noirs qu'on cherche à révéler ici, ne pratiquent. Moi, je dis le contraire. C'est tout à fait le contraire. Attendez-moi le soir, l'après-midi, vous allez entendre, vous allez voir. Et vous allez juger qui de nous et de ces gens-là pratique la Bible. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là sont loin de la Bible. Très loin. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la Kabbale. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le Talmud. Ces Juifs-là, leur base n'est même pas la Torah. La Torah n'est que le deuxième document pour eux. Le premier document de ces Juifs là-bas, ils appellent ça le Talmud. Et dans le Talmud, il est dit que Jésus, il a dit d'abord que Marie est une prostituée et que Jésus est un imposteur. Et à cause de son imposture, il est en train de bouillir dans les entrailles de l'enfer. Est-ce que vous savez ces choses? Vous ne le savez pas. C'est des gens qui maudissent Christ tous les jours. C'est des réalités que nous ne savons pas et que nous avons besoin de savoir. Vous ne pouvez pas me dire que ces gens-là, ils pratiquent la Bible plus que nous. Quand chez nous ici, ton frère est décédé, on dit que c'est une imposition que la femme, la veuve, ne doit pas se marier ailleurs et qu'elle doit se marier au frère du défunt. Vous pensez que c'est une tradition africaine? C'est biblique. C'est le parent rédempteur qu'on parle. C'est biblique. Il y a des versets bibliques pour ça. Attendez-moi le soir. Je vais vous citer même vos communes que vous avez ici. Qui sont dans la Bible? Le nom des communes que vous avez nommées partout, vous ne savez pas que ce sont des noms bibliques. Vous avez enlevé ça d'où? Ça vient d'où? Oh. Alors, mon bien-aimé, je voudrais que vous sachiez une chose. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose de spontané. Ça part de quelque part. C'est comme un enfant qui naît et qui est bébé, qui ne peut rien faire. Et dans sa croissance, à un moment donné, il doit faire les quatre pattes. D'abord, il rampe, d'abord même. Il rampe sur son ventre. Après, il fait les quatre pattes. Après, il fait les premiers pas, il tombe. Chaque enfant doit se déchirer la lèvre ou se blesser le front à force de tomber et de se relever avant que ses pieds ne s'affermissent. Donc, n'allons pas vite en besogne. Vous ne pouvez pas atteindre la manifestation si vous refusez le procédé qui vous conduit à la manifestation. Et le béaba de tout ça, c'est de d'abord savoir qui nous-mêmes nous sommes. Je termine pour vous dire, je le disais, comme maintenant on est en public, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais quelques personnes qui étaient en bas, ils ont eu l'exclusivité de la chose, c'est qu'il y a un président de la région ici qui était étudiant. Pendant qu'il était étudiant, hein, il a enceinté une fille. Et quand la fille est devenue enceinte, elle est venue lui dire, je suis enceinte de toi. Ah non, ça je ne porte pas cette responsabilité. Il faut chercher le père de ton enfant. Vous savez comment ça se passe. La pauvre femme, la pauvre jeune fille, elle abandonne son école, elle rentre au village, elle reste là-bas. Alors le jeune homme, lui, continue ses études, et il devient un grand et il est devenu président d'une république. Je parle de quelqu'un qui a gouverné un des pays africains. Et un jour, ses amis qui avaient fréquenté avec lui, voilà, l'un vient vers lui pour lui dire, mais tu te souviens quand on était en fac là, que tu avais enceinté une fille là? Il dit, ah oui, et tu l'avais chassée là. Il dit, ah oui. Il dit, mais tu sais, est-ce que tu sais que le fils est vivant? Tu es sûr là? Il dit, oui, mais il est devenu quoi? Il dit, oh, non, mais il est dans le village de sa maman. Bon, la maman n'avait pas assez de moyens, donc l'enfant n'a pas été bien scolarisé. Mais c'est un garçon vaillant. Si tu le vois, c'est ton portrait tout craché.
Le monsieur dit quoi? Bon, d'accord, amène-le-moi ici. Un cortège géant a pris la direction du village de la femme. Ils arrivent là, ils demandent le nom, tant. On dit, bon, allez là-bas. Bon, le jeune homme s'appelle tant. On dit, non, il est au cabaret là-bas. Si vous arrivez, c'est celui qui boit beaucoup et qui chante, qui joue la comédie là. Il est enfant du président, il ne le sait pas. Et il est assis dans le cabaret en train de boire tous les jours. Et il fait de la comédie, fait rire les gens. On lui donne un peu de boisson, 25 ici, 100 francs ici. Et c'est comme ça. Alors, voilà un cortège qui vient s'arrêter. Vous êtes monsieur Tan? Il dit oui. Bon, levez-vous. Suivez-nous. Il commence à trembler. J'ai fait quoi? On va m'amener en prison. Non, non, viens. Va te laver. Et porte tes meilleurs habits. Le jeune homme rentre se laver, il sort. Meilleurs habits, là, vous savez ce que ça peut être. Et on le prend, on ne lui dit pas où on l'amène, on le met dans les grosses 4x4 là, beau. Et puis bon, le cortège démarre. Les voici à la capitale. Direction présidence. Ils descendent devant la présidence et puis on l'escorte. Il arrive à la porte, tout le monde craque. Lui, il ne comprend pas. Tous les soldats sont au serré. Il rentre là dans la grande salle, voilà monsieur le président qu'il a toujours vu à la télévision, il le voit en face. Il demande, j'ai fait quoi, pourquoi on m'emmène ici? On lui dit, jeune homme, voici ton père. Ça dit, vous imaginez, tu peux même tomber en syncope. Rien qu'à réaliser que toi, comme ça, t'es misérable, ton père est président. Et pendant tout ce temps, tu es resté dans la forêt, là-bas, souffrir. Et le président le regarde, effectivement, c'est sa photocopie. Il dit, bon, d'accord. Jeune homme, tu t'appelles comment? Il dit, voilà. Il dit, bon, je suis ton père. Ta mère t'a une fois dit ça? Il dit, jamais. Il dit, bon, voilà. Sache que c'était tant. Oh! Il dit, bon, d'accord. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es mon premier fils. Tous les enfants du président que tu connais, tu es l'aîné. Il prend des gens, il le confie, il dit, vous devez l'instruire comment on vit, comment on mange, comment on s'habille, tant. Bon, dites-moi, dans la semaine qui suit là, quelle doit être la nouvelle vie de ce garçon-là? Je ne veux pas d'une réalité, hein. Je sais que certaines personnes connaissent cette histoire ici. Merci. Voyez-vous? Donc, celui-là qui était dans le cabaret, que tout le monde l'insultait, on lui faisait n'importe quoi, désormais, si vous voulez le voir, vous devez chercher, comment on appelle ça? Une audience. Et vous allez faire des démarches peut-être pendant 2 ans. Vous qui l'insultez hier, l'identité n'est pas du jeu, s'il vous plaît. L'identité même est la chose primordiale, capitale. C'est pourquoi quand quelqu'un ment sur son identité, et qu'il vient ici se présenter pour dire je suis le fils du président Tshisekedi, même sans même vérifier, tout le monde déjà commence à trembler. C'est vrai ou faux? Donc l'identité n'est pas n'importe quoi. L'identité même est la base. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes chrétien quand vous ne savez pas que vous êtes un fils de Dieu. Être chrétien, c'est d'abord savoir que je suis un fils de Dieu. C'est ça qui fait votre chrétienté. Donc l'identité est la chose primordiale. Ne jouons pas avec ça. Et avant d'arriver sur la manifestation, et sur quoi, le côté mystique, le côté ésotérique de la chose, ça doit passer d'abord par votre identification. Quelqu'un me dira, l'issue de tout ça, c'est quoi? Mais vous ne savez pas qu'Israël qui a perdu sa mémoire, c'est écrit dans vos Bibles, hein? C'est parce que vous avez été conditionné pour regarder dans la direction que les colons nous avaient pointé. Sinon, c'est dit que c'est quand Israël va se rendre compte que c'est eux qui avaient tué le Messie et que le Messie, là, Christ qui était venu, c'était vraiment le Messie. Quand ils vont se rendre compte, tout Israël va faire quoi? Va se repentir d'abord. Va se repentir. Et que chaque tribu séparément va pleurer pour avoir rejeté son Messie. Et collectivement, Israël, n'est-ce pas, va pleurer ensemble, se repentir. C'est alors que le Messie va apparaître
et il va dire, me voici, c'est moi, touchez-moi. Et ils vont dire, mais d'où te... Et il va dire, dans la maison de... C'est-à-dire, c'est vous-même qui m'avez fait ça. C'est alors que toutes ces malédictions-là vont finir. C'est là qu'on parle de l'expiation des péchés d'Israël. Maintenant, comment des gens qui ne savent pas qu'ils sont Israël peuvent se repentir? Comment ils peuvent le faire? C'est ce travail qui a commencé. Peu importe le groupe auquel vous appartenez, ça n'a plus rien à voir. L'heure qu'il fait là, c'est l'heure de l'identification de la vraie Israël qui va conduire à la repentance nationale d'Israël. Et quand je dis national, il ne s'agit pas d'une terre, il s'agit d'un peuple. Où que le peuple là sera, quand ce peuple va s'identifier, ce peuple, qu'il soit en Afrique du Sud, qu'il soit en RDC, qu'il soit au Congo-Brazzaville, qu'il soit même au Sénégal, ou au Mali, au Niger, quand tous ceux-là vont se reconnaître comme Israël, la repentance sera unique. Et ensemble, ils pleureront ensemble. Et les pleurs collectifs vont monter vers Dieu. Et alors Dieu fera descendre le Mashiach pour terminer avec cette malédiction. Et le royaume d'Israël va être rétabli pour de bon. C'est ce travail que nous avons commencé. Je crois bien que j'ai été trop long.